vous regardez ETV. Tester son taux de chlordécone, une opération réalisable en Guadeloupe, dans ce laboratoire situé à Petit Canal. On peut prendre en charge le prélèvement et l'envoyer via notre prestataire, notre laboratoire spécialisé, en métropole, qui lui-même le transmet au CH, au centre hospitalier de Limoges, qui est à ma connaissance le seul laboratoire de toxicologie en France qui est capable de faire ce dosage. Un dosage mesuré en France ? 20 à 30 patients par mois dans l'ensemble des Antilles okay. En feraient la demande. Mais que montrent réellement les résultats ? On trouve de la chlordécone à des concentrations de l'ordre de 0,5 à 2 microgrammes par litre de sérum. Ça s'arrête là parce qu'il n'y a pas de seuil de toxicité aiguë, on va dire. Juste un révélateur d'une exposition à la chlordécone dans le sang. Mais cliniquement, il n'y a aucun moyen de dire que ça va provoquer un état pathologique quelconque. Le test coûte 142 euros en Guadeloupe contre 77 en Martinique. L'interprétation des résultats reste difficile à cause d'un seuil de dangerosité non établi. Le potentiel cancérigène du chlordécone, notamment au niveau de la prostate, a pourtant récemment été confirmé et publié dans une revue médicale internationale. Vous regardez ETV.